Alors mes amis, le temps pascal est un temps où, euh, avec beaucoup de joie, moi j'accueille les textes des actes des apôtres. Euh, on relit euh, notre histoire de famille, le, le commencement de notre histoire de famille chrétienne. Et c'est plein d'espérance, c'est plein de, de rebondissements. Alors quand arriva le, le, la Pentecôte, ils se trouvèrent en réunis tous ensemble. Et euh, soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Ça nous parle déjà de l'Esprit Saint, hein, le vent euh, et euh, le souffle. Et, 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 et tant qu'ils disent, c'est pas un vent de violence, c'est un violent coup de vent. C'est-à-dire que c'est un, un vent intense. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Moi, j'ai vécu ça, là, dans, dans, dans le sacrement des malades que j'ai donné euh, la semaine passée à mon ami euh, Conrad, atteint d'un cancer qui, qui, qui lui laisse, on nous dit, deux, trois mois à vivre, à 50 ans. Mais on pouvait sentir dans la maison, chez lui, là, toute l'intensité de la présence de Dieu. Il n'y avait pas de peur. Euh, on n'était on vraiment pas devant la mort. On, on était vraiment dans l'espérance de ce que Dieu nous donnerait comme signe, celui qu'il veut bien nous donner et qu'on va reconnaître comme un, un don de son souffle. Et euh, il virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et se posa sur chacun d'eux. Euh, enfin, ils vont recevoir le feu. Puis euh, ils vont se mettre à se consommer hein, au service de, de la parole au, au service de la vie de Dieu. Et tous furent remplis de l'Esprit Saint. Puis ils se mettent à parler d'autres langues. Euh, or, il y avait séjournant à Jérusalem des fervents issus de toutes les nations. Puis tout le monde qui venait de partout se sont mis à comprendre ce que chacun disait. Hein? Déconcerté, émerveillé, il disait, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Et puis là, il nomme toutes ces, ces nations. Euh, vous savez, je lis ça, moi, des fois, ce texte-là, puis je me dis, si, dans le presbytère, toute l'équipe qui est dans le presbytère se met à comprendre l'autre qui y parle. Même hein? ben, on parle toute la même langue, des fois on se comprend pas. Hein? Puis euh, on saisit pas euh, qu'est-ce que l'autre veut dire. Imaginez-vous tous les mariages hein, qui seraient remplis de l'esprit de Pentecôte. L'époux parle à la femme et la femme parle à l'époux. Puis ils se comprennent. C'est une grâce extraordinaire. Hein? Alors, euh, voilà ce qu'est be ce beau temps de la Pentecôte. Puis, euh, et, et là, on retrouve une assemblée vraiment multiculturelle qui, qui s'émerveille. Dans la deuxième lecture, qui est un tirée de Galate, le frère, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit Saint de Dieu, alors vous n'oublierez pas aux tendances égoïstes de la chair. Souvent, nous, on... On vit sous la conduite de la colère, <laughs> sur la conduite du ressentiment, sous la conduite de, de ce qui est mortel. Mais là, il dit, non, non, vivez sous la conduite de l'esprit de Dieu. Euh, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. C'est comme si on a une liberté de choisir quelle est l'emprise sur laquelle on va vivre. C'est un choix. un choix. On sait très bien à quelle action mène la chair. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie. Bon, il y en a toutes, là, je ne les répéterai pas toutes. Mais voici ce que produit l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. On fait juste entendre ces mots-là, puis déjà on, on, on décontente, voyez, on, on s'apaise. Il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions, ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Puis l'évangile, quand viendra le défenseur C'est un nom qu'on qu a entendu pour la première fois dans tous les textes qu'on a entendus ce matin. Le défenseur. Savez-vous, c'est quoi le défenseur Dans nos mots à nous, là, il y a l'avocat de la défense, puis il y a l'avocat de la couronne, puis l'avocat de la couronne. C'est l'accusateur. Puis celui de la défense, c'est le défenseur. L'esprit de Dieu, si on s'accuse, on n'appartient pas au défenseur. On n'écoute pas le défenseur. Hein? On n'est pas appelé à s'accuser. On est appelé à reconnaître ce qui en nous fait mal. Ce qui en nous n'engendre pas la vie. Si on se met à penser, parce que, savez-vous, c'est qui l'être le plus accusé au monde? Dieu. C'est lui. Souvent, là, moi j'écoute, là, toutes les accusations qu'on porte là, sur l'Église, dont plusieurs sont sûrement vraies, et plusieurs sont sûrement fausses. <laughs> c est, c est, bon, bon, mais derrière ça, là, qui vous pensez qu'on accuse? Dieu. On veut le faire sortir, on, on, on l'a fait sortir de notre société. Tu pas, c'est pas vrai, l'amour n'est pas là, on accuse Dieu. Alors c'est le grand accusé. Puis lui, ben, il est venu nous visiter, c'est extraordinaire. Hein? Le grand accusé est, est descendu pour qu'on l'accuse bien comme il faut, en pleine face. Qu'on mette une croix. Hein? Puis qu'il nous donne sa vie. Il ne nous la refuse pas, tout accusateur que nous soyons. Vous aussi, vous rendrez témoignage. Vous qui êtes avec moi, êtes avec moi depuis le commencement, on est appelé à rendre un témoignage. Et le témoignage qu'on est appelé à rendre, c'est être témoin de l'amour de Dieu en acte et en vérité. Tu es accusé, puis tu donnes ta vie. Tu dis pas, c'est comme ça d'abord, je rentre chez nous, je reste tranquille, puis gang de notions, de que crevez tout. Non. On a une bonne nouvelle, gang de gnocchons, vous êtes intelligent, vous avez le droit de vous tromper, mais on va quand même vous dire la bonne nouvelle. Quand viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Oh! Parce que nous, on se contente souvent de vérité partielle, hein, qui, qui ne va pas dans le tout entier. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Les fois, on se trouve bien intelligent dans nos réponses. <laughs> mais, mais, ça vient d'où? C'est pas le sommet de l'intelligence. Hein? Il redira tout ce qu'il aura entendu qui vient de la bouche de Dieu. Et ce qui va venir, il va vous le faire connaître. Et il me glorifiera car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et dans notre vie de baptiser, dans notre vie d'église, on reprend constamment ce qui nous a été dit, ce qui a été annoncé, de ce que des hommes, des apôtres ont, ont vu, ont entendu, et on reprend, et on reprend pour s'en aller vers cette vérité tout entière qu'on est appelé à annoncer au monde dans lequel on est qui souffre beaucoup enfermé dans les ténèbres et qui aspire à cette admirable lumière qui nous a été révélée en Jésus le Christ. En partant, emmenez-les avec vous. Laissez-les pas église. Puis cette parole, vous pas besoin du livre, elle est inscrite dans votre cœur. Soyez attentifs à sa présence et soyez reconnaissants de le retrouver parce qu'il nous précède à Victo puis pour le reste de la planète. Amen.